Bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du Cygne. On se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Age Vellgard. Dans l'épisode précédent, on avait commencé une quête secondaire avant de se retrouver face à un boss qui était niveau 25 alors qu'on était niveau 14 et qui nous avait un peu défoncé la tronche. Du coup, on avait changé, on était passé sur une autre quête secondaire. Donc on est toujours à Treviso, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et au lieu de partir faire cette quête, je me suis retrouvé à faire de l'exploration et à nettoyer la ville. Donc maintenant qu'on a fini pour le plus gros notre phase d'exploration de Treviso, donc il reste cette zone là qui n'est pas encore explorée, mais c'est là où est la quête qui m'avait cassé la tête. Voilà, vaincre le champion, raté. On y retournera quand on aura quelques niveaux de plus. Donc là, on est parti chercher un des contacts des corbeaux. Dans le but d'envoyer un message aux Antam qui contrôlent la ville. Ce qu'ils appellent message, eux, c'est assassinat. Et donc voilà. Là, on est parti chercher un contact. Ouh, il y a beaucoup de chats là. Ouh, ça sent la zone de combat. D'ailleurs, il y a des entames là-bas. Alors, espadon de boucher. Plus de dégâts, moins d'ébranlement. Attaquer ma cible applique vulnérabilité aux dégâts nécrotiques. Ah, c'est bien ça. Je pense à l'utiliser un peu plus souvent l'ordre d'attaque. Alors là, j'ai une zone marquée comme inaccessible. J'ai plein de zones marquées comme inaccessibles. Alors hop, là j'ai un truc à réparer, pas de compagnon valide. Ah non, c'est pas à réparer, c'est un feu à allumer. Donc c'est un compagnon que je n'ai pas encore. Encore des chats. Beaucoup d'enquêtes ont mené jusqu'au Venatori. Trop pour considérer que le culte n'est pas un problème. Pas assez si tu veux les tenir responsables pour tous les maux de la ville. Je comprends. Si tu cherches une réponse simple, tu la trouveras pas à Minrati. Ah mais on est déjà passé là. Ah oui, sauf que la porte était verrouillée de l'autre côté. D'accord. Déverrouillée. Un raccourci. J'ai cru voir qu'il y avait une grille à escalader ici. Pas leur absence aussi vite que celle des fossiles. Donc là c'est pareil, j'ai encore un truc à allumer, mais j'ai pas encore le compagnon pour le faire. C'est pas d'une luminositude folle. Et là j'ai encore un truc à allumer et j'ai toujours pas le compagnon pour le faire. C'est bien ça. Se pousse. Alors du coup on va continuer à grimper. Bon, finalement, on est reparti pour l'exploration. Quand il y en a plus, il y en a encore. La chanterie là-bas. Donc là, j'ai le lieu de rencontre préféré pour nos clients avant l'invasion. Un raccourci. Les chanteries les plus riches sont illuminées à Minrati. De vrais théâtres, dehors comme dedans. Hop, tyrolienne. Pourquoi je peux pas l'ouvrir le coffre? Ah! Ça sent le bug ça. Eh mais j'ai déjà fait cette partie là. Ah oui, c'est juste qu'en fait le coffre je l'ai déjà ouvert, mais qu'il me le marque pas. Oui, il me le marque déjà comme ouvert sur la carte. C'était juste un raccourci quoi. Eh bien. On va redescendre. Le bâtiment de la chanterie du sud dégage quelque chose de particulier. De pas toujours très accueillant. Je l'ai pas visité depuis un bon bout de temps. Trop calme. Trop d'endroits pour des embuscades. Donc, a priori, cette partie-là, c'est fait. Hop, cristal sans défaut.
J'ai toujours des entames par là-bas. Si je dois pouvoir y aller par là, ça manque un peu de luminosité quand même. J'ai presque jusqu'à dire que j'y vois pas grand chose. Alors. Ah, j'ai raté l'étourdissement. C'est bon. Bon, les entames sont nettoyées. Ah, et alors les vases bleus, ça recharge la capacité ultime? Il me semblait voir qu'il me mettait. J'ai pété un vase bleu, il me mettait capacité ultime chargée. Et c'est tout ce qu'il y a ici? Tout ça pour ça, comme dirait l'autre? Bon, ça a l'air. Oui, c'est ça, capacité ultime chargée. Donc il y a un des vases, et je pense que c'est les vases bleus, qui rechargent la capacité ultime. Enfin, qui. Donne de la charge de capacité ultime. Bon, donc ici, il n'y a rien d'autre. Ici. Un chien. Du dialogue. Vois quand même vraiment pas grand chose. C'est comme si c'était faux. Alors, faut juste faire gaffe, on s'est rendu compte la dernière fois que sa capacité à lui ça a une durée limitée, au bout d'un moment les artefacts qui fait apparaître finissent par disparaître. Et si on est dessus, ben on coule, en général. Ou on tombe, ou on meurt. Bec de corbeau violet. Et là, ça commence à être intéressant. Toutes les trois attaques finales infligent des dégâts bonus. Ça tombe bien. Je joue pas mal avec les attaques finales. Hop. Truc en face, mais c'est pas par là qu'il faut que je passe pour aller le chercher, manifestement. Un groupe d'entre eux. On y est. Ouvrez l'œil. Peut-être que d'autres personnes les recherchent. De quel droit ? D'accord. Donc on est arrivé sur le lieu de la quête. Alors, je sais plus par où je suis arrivé. Je crois que je suis arrivé par là, ici c'est ça. Donc là j'étais de l'autre côté et il n'y avait rien.
Je crois qu'on va prendre l'échelle. Ouais, donc apparemment on peut refaire, changer son équipe à chaque balise de téléportation. Si on se rend compte qu'il y a un personnage qui serait sans doute plus adapté qu'un autre pour un combat à venir. Alors, qu'est-ce que tu vends toi ? Vous aimez la viande ? Des objets de valeur. Ça va, les troubadours, j'ai déjà donné. Là, ça doit être ce qui permet d'accéder. Non, c'est pas alors du tout c'est ça. Trévisant maintenant. Si, c'est ça que je cherchais. Non. Bah non, c'est par là que je viens. C'est par là que je suis arrivé. Oui, ça c'est fait, mais c'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est... C'est par là, c'est ça. Ah merde, mais du coup c'est par là qu'il faut que j'aille. Alors on va finir d'explorer de l'autre côté. Là. Oui, c'est juste qu'il fallait que je tourne à droite et que j'ai pas tourné à droite. Ok. Alors. Hop. Et donc on a dit que c'était par là. C'est bon, je n'ai pas encore atterri avant de m'attaquer là. Quoi ? Nous sommes des couverts. Attaquez-les ! Ne t'inquiète pas, c'est Théa et Viago qui hop nous là. Envoient. Vous êtes avec Lucanis ? Oui ! Tuez-les ! Tuez-les, fantômes ! Ils ont tué Dareth ! Ils ont tué mon cousin ! Ça devrait accélérer les choses ! Et voilà. Ils sont faibles à gauche. Trucidez-les ! Bah ils seront morts surtout, mais je veux bien continuer à les trucider si tu veux, mais... Hop, plus une charge de résurrection. Ah voilà, des peaux bleues sont cachées dans toutes tes dalles, ils contiennent des fortifants... Ah j'ai pas eu le temps de dire, mais c'est ça, donc c'est des peaux bleues qui permettent de recharger l'ultime. D'accord. Et donc, il y a bien donc, ce qu'ils appellent les charges de résurrection, c'est... Donc, on l'a vu quand je me suis fait poutrer contre le boss, quand on est KO... Pour chaque charge de résurrection, ça nous donne une chance d'être relevé par un de nos compagnons pour pouvoir poursuivre le combat. Je suis pas passé, je suis déjà passé par là. Ah tiens, je t'avais raté toi. Alors, anneau d'amarantine violet. Ah bah, ça tombe bien. C'est un de mes anneaux équipés. Et sans doute un de mes anneaux les plus puissants. Vu que je joue à fond là-dessus. Eh bien, du mal. Hein. Bon alors. Libérons Jacobus. Il lui manque la tête à lui. Il a perdu un bout. Oui voilà donc c'est ça. Les peaux verts ça régénère les potions de santé et les peaux bleues ça régénère en partie l'ultime. D'accord. S'il vous plaît, vous devez finir le contrat de Dareth. C'est à propos du boucher. Mon cousin allait espionner le boucher, il m'a dit qu'on récupérerait le contrat dans une boîte aux lettres morte, mais... Il faut finir ça pour Dareth, s'il vous plaît. On va s'en occuper. Retourne au diamant. Oui, mais... Donnez-moi juste une minute. Dareth. Ta piste s'est révélée fructueuse. Nous avons une autre mission secrète à te proposer. Le contrat se trouve à l'endroit habituel,
en face de Teia et Viago. Il te suffit de suivre les marques. D'après le message, Dared devait récupérer le contrat dans un lieu habituel, en face de Teia et Viago. Il suffit de suivre les marques. Il doit y avoir une piste créée par les autres corbeaux. Elle nous mènera droit à lui. J'en ai remarqué. Ouh, c'est long. Qui est dans la ville? Je crois qu'il y en a une sur un mur par ici. On va voir ça. Alors. Hop. Alors, il y a cette zone-là qui n'est pas explorée, mais est-ce que c'est juste que j'y ai pas accès? C'est possible que ce soit une zone bloquée. Ah oui, c'est ça, oui. C'est... Il y a une porte en bas à laquelle je ne peux pas accéder pour l'instant. Enfin, pas de ce côté-là, en tout cas. Il va falloir que je passe par ailleurs pour pouvoir l'ouvrir. Donc... Terminé le contrat de Dared. Donc, apparemment, c'est par en haut qu'il faut que j'aille. Déjà exploré tout ça. Corbeau. Ah d'accord. Parfaitement exécuté. C'est forcément la piste de Dared. La fameuse marque. Donc on va repasser par si les vitres cassées. Les le contrat de Dared ne doit pas être loin. Contrat de Corbeau. Le boucher de Treviso a engagé un empoisonneur qui fabrique du Kamek. Le destinataire de ce contrat, Dared, est chargé de trouver ce maître Kamek dans la garnison et de l'éliminer. Le destinataire doit également s'occuper de la personne coupable de traîtrise qui a laissé entrer les entames dans la ville, si tant est qu'on découvre son identité. Si le destinataire échoue, son plus proche parent peut exécuter ce contrat. Le boucher fabrique du poison. Du Kamek. J'en ai entendu parler. Ça agit sur l'esprit. Très déplaisant. Si j'étais le boucher, je me dirais que c'est un bon moyen de forcer les gens à obéir. On peut pas laisser le boucher répandre ça dans Treviso. Il ne répandra rien du tout. Les entames ont fait venir un maître Kamek pour mélanger le poison. Il se trouve dans la garnison. On va l'arrêter là-bas, avant que tout ça n'aille plus loin. Mais on se rend juste dans le repère des corbeaux. Ah mais non, mais d'accord, oui, mais si tu me demandes d'aller là-bas, on a déjà essayé d'aller là-bas. On s'est fait poutrer la tête par le boss, donc moi, je veux bien... Ah non, d'accord, vas-y, on va à un autre endroit, du coup. Hein, pas là. J'avais pas vu la marche. D'accord. Oui, ok, donc on va à un autre endroit, parce que si on va là-bas, il y a de nouveau le boss qui va de nouveau nous poutrer la tête, donc Tu es les vite. Ça a dû faire mal. Kyrolienne. Merci de ta remarque pertinente. Ennemi à distance. C'est vraiment efficace l'ébranlement. Ah, ils sont nombreux en bas quand même. C'est un cul-de-sac. On va éviter de tomber, à mon avis. Ça doit pas être très bon pour la santé si on se retrouve avec tous ces entames sur le dos. J'arrive pas du tout à déterminer si les entames c'est.
c'est une faction de Kunari. Je sais pas trop du c'est coup. C'est bon, on y est. Trouvons parce que c'est une race à part, mais il y en a, on en a croisé une sur le marché, une marchande qui disait que qu'elle avait quitté le Kun justement pour échapper aux entames. Donc a priori, c'est, bah, ils ont l'air quand même assez apparentés. Enfin, c'est des grands guerriers gris avec des cornes. Mais j'ai pas retrouvé les symboles quand même assez caractéristiques des Kunari, enfin, notamment les peintures corporelles. J'ai l'impression qu'ils sont tous habillés pareil et sans peinture. Donc... on verra si on peut en apprendre un peu plus. Bah, de toute façon, si on arrive à en voir un décasqué, on saura fixer à ce moment-là de savoir si c'est effectivement des Kunari ou pas. Ça a explosé. L'ennemi est proche. Cet endroit est interdit. On interdit rien au corbeau. On est canard. J'aimerais pas être dans le rang. Alors, Lucan qui est passé niveau 3. Plique fissure, oui, on a dit qu'on allait plutôt chercher. C'est ça. Ça c'est pas mal. Fragilisation et durée de fissure plus 50%. Ah, il considère que je suis encore en combat. Mais non, on n'est plus en combat. Alors, cap de corps vidé, Lucanis rare. Ouais, mais il est déjà sur une armure violette. Les détonations d'une cible ennemie subissant accablement appliquent saignement, sauf que j'ai encore rien. Qui afflige accablement pour l'instant. Donc, pour l'instant, je n'ai que fissure en amorce. Maître Kamek, il a fini dans une cage apparemment, d'après ce que je viens d'entendre. Je sens votre odeur. Vous n'êtes pas d'ici. Je vais essayer mon don. Notre odeur. T'as qu'à dire. Je suis la volonté faite chair. T'as qu'à dire qu'on pue. Oula. Lui il a pas l'air très sympa. De toute façon j'ai pas le choix, je crois qu'apparemment je suis censé passer par la fenêtre, par le balcon. Et bien passons par le balcon. Parviens enfin jusqu'à moi. Je vais prouver ma valeur. Ici au nom des corbeaux empoisonneurs. Vous allez faire face au nom des dieux. Pourquoi tu l'as balancé aussi loin? Continuez, on peut pas laisser sortir ce truc.
Je crois qu'on y est prêt. C'est bon, le maître Kamek est mort. Bon débarras. Une chose après l'autre. D'abord, on détruit le reste du poison. Et après, on essaie de comprendre ce qui vient de se passer. C'était tout ce qui restait du poison, heureusement. On cherche tous les indices qui peuvent expliquer ce qui se passe. Alors... J'ai vu qu'il y avait une lettre. Le boucher en rage. Le Kamek que j'avais élaboré pour lui a été volé. J'ignore qui s'en est emparé et peu m'importe. Je lui ai conseillé de confier à l'être humain qui a trahi cette ville la tâche d'enquêter sur le sujet. Le boucher n'était pas content. Il me garde enfermé ici. Il m'a dit qu'on m'avait changé. Qu'il se trouve un autre maître Kamek. J'ai rempli ma mission. Les dieux m'en ont confié une autre en tant que psychomancien de la chair. Ah là là, les mages de sang. Ce message indique que ce n'était pas la totalité du Kamek. Le boucher est furieux parce qu'il en manque. Qui a mis la main dessus ? Aucune idée. Mais le message mentionne une trahison dans l'entourage du boucher. L'occupation a été aidée. Il faut dire à Teia et Viago qu'ils avaient raison. Alors, stylet de lanceur vert. Moins bien, moins bien. Ouais. Alors ça, c'est pas mal, ceci étant. Chaque bombe arcanique sur une cible ennemie réduite qu'elle inflige de 10%, ça fait un moins 30% au max. Ce qui est quand même pas dégueu sur un boss, je pense. D'accord. Ah, un alu. Pourquoi est-ce que je me retrouve direct à la Luvienne? Petit truc bizarre quand même. La transition est assez étrange. Complètement malade. J'avais demandé au corbeau de rester en dehors de tout cela. En dehors de quoi? De la défense de notre ville? Si on avait un gouvernement fort au lieu d'une bande de criminels de cirque, les Antam ne se seraient jamais implantés. Les cirques font payer des droits d'entrée? Nous, on fait tout ça gratuitement. Voici la gouverneur Ivensi. Yel s'inquiète. Je m'inquiète du danger dans lequel vous avez mis la ville. Nous défendons Antiva. Ces protections garantissent la sécurité de toute la population. Vous agissez sans supervision. La surveillance, c'est nous, les corbeaux. Et regardez où on en est. Les Antam pullulent. Et maintenant, vous avez mis le boucher en colère. Sans parler des dieux. Pardon ? Ils utilisent les Antam, ils en font des monstres. Et le boucher ? Vous aviez raison. Il a reçu de l'aide pour s'emparer de la ville. Des traîtres humains. Je refusais de le croire. Ça ne servira à rien de tuer le boucher si quelqu'un peut à nouveau vendre la ville. Commencez par balayer devant votre porte. Les cerfs sont connus pour leur trahison et leur lutte intestine. Vous les accusez ? Un de leurs corbeaux est mort pour ce contrat. Ça suffit ! Rook, merci d'avoir terminé ce contrat. Tout ce qu'on a pour te récompenser, c'est un autre contrat. Je tiens le compte des services que tu me dois. Ivensi a raison sur une chose. Le boucher ne va pas apprécier qu'on se rebelle. On doit être prêt. Rook, je vais faire en sorte que chaque corbeau traque ce traître et les dieux, et on vous préviendra dès qu'on a une piste. Il y a trop d'enjeux. Il faut laisser faire l'administration légitime. Retournez remplir vos registres de commerce, Ivensi. Les corbeaux gouvernent Antiva. Et Treviso sera libre. Avec ou sans vous, gouverneur. Hop, quête accomplie. Les soupçons des corbeaux ont été confirmés lorsque l'enquête menée par l'équipe a révélé que le boucher avait profité d'une trahison dans les rangs trévisiens pour occuper la ville. Du Kamek a également été dérobé au boucher sans que l'on sache qui en est responsable. Teia et Viago ont commencé à prévoir la suite de l'offensive contre les Antam, même si pour Jacobus, le cousin de Tareth, le coût de l'occupation est déjà trop élevé. Hop. Du coup, lien amélioré, Lucanis. Ah oui, non, c'est juste
Oui, c'est juste qu'il a looté une autre armure, mais qui m'intéresse pas pour l'instant. Hop, on va faire marquer comme lu. Personnage, qu'est-ce qui a changé? Oui, j'ai chopé une amélioration d'arme. C'est à peu près tout, normalement. Pourquoi est-ce qu'il me met que j'ai encore quelque chose sur le personnage? Je n'ai d'étoiles nulle part. Je ne comprends point. Ah non, si, c'est des runes. J'ai récupéré une rune. Je pense pas à regarder ça. On va peut-être virer celle-là si j'en ai récupéré une. 10 de dégâts contre la santé. Bah, c'est bien ça, voilà. Plutôt que d'avoir du dégât de froid que j'inflige pas, vu que je suis en full nécrotique. Bien. Du coup, cette quête est accomplie. Et on va partir sur une suivante. Alors. Ouais, donc j'ai ça à donner à Lucanis au phare. Ça, c'est toujours verrouillé. Ça, j'ai pas le niveau pour vaincre le champion. Et ben, je pense que. On va repartir sur la quête principale. Je vais aller offrir son cadeau à Lucanis. Et ensuite, on va retourner à Minrati. Donc du coup... Alors je peux lui parler direct? Ah non, oui, c'est ça, il veut... Ah tiens, il y a un codex derrière. Ah, c'est juste pas assez pour mon Tedio. Du coup, monde phare. Il est obligé de me mettre tout en bas. Tiens, j'ai vérifié d'ailleurs qu'il n'y ait pas des dialogues. Si, j'ai une conversation avec Bellara là-bas. Une quête de Lucanis. Je vais pas y arriver à avancer dans cette histoire principale. Toujours distrait. Rook, Hilario m'a contacté, il a des infos sur Zara. Il veut qu'on se rencontre. Un voyage à Treviso, ça t'intéresse? Ça pourrait être sympa. Je pense qu'on va quand même continuer la quête principale. On fera celle-là un peu plus tard. Pour moi ? Bah, elle est grosse la cafetière. Hein. Bah. Ah non, ça c'est dans l'atelier de Bellara. Je pensais que c'était chez Neve qui avait son symbole à côté. Je m'y perds un peu. Un regard affûté, de la vivacité d'esprit et de la chance. Faut ça dans le métier. Alors tu crois que je pourrais le faire? Devenir enquêtrice? Ça requiert un certain degré de concentration aussi. Ah, je vois. Bon bah, peut-être pas alors. J'arrive toujours pas à le croire. Je discute avec Neve Galus. Ah, c'est mignon. Mais laisse tomber les flatteries. D'accord, oui, t'es une personne normale. Je vais essayer de m'en souvenir. Rook? Tu te joins à nous? Ravi de voir que tu te fais une amie, Bellara. Ah oui, Neve est... Eh bien, Neve, elle a été tellement gentille. Apparemment, Bellara connaît mon travail. Ou du moins ce qui paraît dans les journaux. C'est tellement incroyable, tout ce que t'as fait, les gens que t'as aidés. Ce sont les missions qui se finissent bien. On parle pas des autres. Tout le monde veut connaître les scandales, ou les fins heureuses. Ou les deux? Comme la fois où t'as dit au Marquis de... Attends, je crois pas que Rook serait intéressé par cette histoire. Rook est un tout petit peu intéressé. Écoutez, j'adorerais vraiment, mais cette histoire se doit d'être racontée dans le bon contexte. De nuit, avec du mauvais café, ou du vin très cher. C'est l'un ou l'autre. D'ailleurs, on en est où dans l'organisation des repas? C'est chacun son tour, comment ça se passe? Je peux donner un coup de main, je suis plutôt bonne cuisinière. Enfin, pour certains plats. Enfin, la plupart du temps.
Parfois, je me laisse distraire et je fais tout brûler. Oh, bah y a pas que moi qui suis comme ça, alors. Tu cuisines surtout des plats dalassiens ? J'ai pas souvent eu l'occasion d'y goûter. Ça m'arrive. On n'a pas trop le choix, surtout quand on passe son temps dans la forêt. Mais j'ai appris à cuisiner de nombreux styles différents. Antivan, rivonien... Et je sais même préparer le khachapuri Tevinted. Arrête. Le vrai khachapuri ? Le pain fourré ? Avec trois sortes de fromages ? J'adore le khachapuri. Et toi, Rook ? C'est quoi qui te donne le plus envie ? Tout. Je suis pas très difficile. Vraiment ? Alors on pourrait bien te surprendre. Mais en bien, hein, pour une fois. Tu devrais prendre quelqu'un pour t'aider. Quelqu'un qui s'assurerait que rien ne brûle. Qui goûterait aussi, ce genre de choses. Neve Gallus ? Qui m'aiderait en cuisine ? C'est reparti, les flatteries. C'est vrai. Une personne normale, j'ai compris. Parfait. Bon, allons voir ce qu'on peut te dégoter. Voilà, voilà, voilà. Alors, ceci étant... Raconter des histoires la nuit, je veux bien, mais alors avec du café, je suis pas certain que ce soit un très bon moyen de passer la nuit. Alors, je ne peux pas passer au niveau suivant. Est-ce que j'ai des armes à améliorer ? Je ne pense pas. C'est déjà niveau 4. Ah, lui, je peux le monter. Ah oui, plus 25 d'ébranlement. Ah, j'ai pas assez. Dommage. Les cibles ennemies touchées avec cette arme mettent deux fois plus longtemps à régénérer les brandements. Pas mal aussi ça. Par contre j'ai pas encore ces matériaux là. J'ai nul. Du coup Neve, j'aimerais bien quand même lui améliorer ses armes parce que ça va pas chercher loin pour l'instant. Donc elle, engourdissement contre les Venatori. J'en prends quand même pas tous les 4 matins des Venatori. Les détonations infligent 100 points de dégâts de froid. Ça par contre c'est pas mal. Vu que c'est essentiellement elle qui fait détonner. Ok. Pour ça. On n'est pas sur un coup en ressources astronomiques pour l'instant. Lucanis. Ça c'est déjà niveau 4. Harding. Et Bella. Voilà, tout le monde est amélioré au maximum. Allez. Du coup, et bien la suite. Donc on a dit non, on va pas faire le café avec les corbeaux. On va attendre un peu avant de retourner à Treviso. On en profitera pour faire l'autre quête. On va retourner à Minrati. Du coup, Minrati, monde, les docks. Bah du coup, oui, on va embarquer Neve. Est-ce que j'embarque Lucanis ou Harding ? Non, ça changera un peu, je vais embarquer Harding. J'en suis où avec Lucanis ? Niveau 3, au cosmique, avec Harding, je crois que je suis dès niveau 4. Ouais. Non, bah on va réembarquer Lucanis du coup. Confirmé, oui. Apparemment, il faut faire. C'est plus on passe de temps avec un compagnon. Il y a moins de monde que je pensais. Trouvons Ashur. Ashur ? Je sais la vipère. Je préfère qu'on l'appelle Ashur en privé. Où est-ce qu'on a débarqué ? Ah, d'accord, mais là on débarque chez les corbeaux. C'est bien, c'est. On n'y a pas encore foutu les pieds, mais bizarrement, ils ont un éluvian dans leur quartier général. C'est pratique quand même. Il y a un problème dans l'Anvalenim. Des engeances. Mais ces tunnels sont des passages sécurisés pour... Oui, je sais. On a dû condamner cette entrée. On peut vous aider. On a eu affaire à de l'enclin récemment. Ces engeances doivent être détruites avant qu'elles ne s'échappent dans la ville. Si vous réussissez à passer, signalez que la voie est libre à la porte dissimulée. C'est très clair. On va faire comme ça, promis. Il pleut encore. C'est quoi ça, hein ? Ouh.
une rune secrète. Là, il n'y a rien. Ici, il y a quoi ? C'est tout ? Tout ça pour ça ? Donc, je serais pas étonné que ça soit un faux mur, mais... Allez. C'est troublant. Des engins sans ville. Et dans l'un des pires endroits, les dragons utilisent ces tunnels pour sauver les gens. Ah ben voilà. Le marchand de faction. Bienvenue à la boutique. Je m'appelle Lorelai. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-moi. Qu'est-ce qu'elle vend, elle ? Fragment cristallin amélioré. Mouais. Sceptre des ombres, dégâts de froid, moins dégâts d'ébranlement, attaquer ma cible, j'ai 50% de dégâts contre les barrières. Et elle a quoi d'équiper elle? Moins de dégâts de froid, plus d'ébranlement, et attaquer ma cible, appliquer engourdissement contre les Venatori. Ouais. Alors que le plus 25% de tout le groupe contre les Venatori, ça me semble plutôt sympa. Orbe de tonnerre, je m'en fous, je l'utilise pas. Le bâton d'arcane, je l'utilise pas non plus. De toute façon, j'y ai pas accès. Tactique de mage, un autre orbe d'arcane. Dégâts de feu et d'électricité. Les deux mélangés. Mmh. Ensuite, là j'ai une armure pour Neve. Les détonations appliquent engourdissement. Ouais, mais non. J'aime bien le fait que les détonations infligent 100 points de dégâts de froid. Ça permet de blinder un peu en dégâts. Alors, 15% de génération de mana, 25% d'ébranlement lors de l'utilisation d'une capacité, 30% de dégâts de capacité en cas de type de capacité identique. C'est-à-dire si j'utilise deux capacités d'affilée qui ont le même type, enfin, ou qui ont des types en commun, elles infligent 30% de dégâts en plus. C'est bizarrement dit, je trouve. Cuir de rapidité, plus de défense, moins de dégâts des capacités, dégâts contre les barrières, dégâts d'attaque à distance, dégâts d'attaque à distance contre les barrières, d'accord. Silence de mort, celui-là je l'ai déjà, c'est une amélioration. Long manteau Tivinted. Les détonations appliquent gel. Ah! Pas mal ça. Cuirasse provocante, résistance au froid, immunité à l'engourdissement, 25% de dégâts de détonation, 25% d'ébranlement, obtenez des dégâts de détonation en fonction de votre relation de compagnon. Ouais. Alors 25% de temps d'énergie, temps de charge d'énergie du bâton, dégâts de bâton chargé. 20% à toutes les résistances quand l'énergie du bâton est complètement chargée. Ça, j'ai toujours pas très bien compris. Alors, chevalier Tevinted, armure légère unique. 50% de résistance au froid, moins de 30% de résistance au feu. Tous les 10 coups, une explosion de 100 dégâts de froid touche les adversaires à proximité et applique engourdissement. Ça, c'est sympa. Ah oui, avec un petit 115 de dégâts des capacités, mais en même temps, ouais, c'est une arme unique. Donc, de toute façon, 3225, je les ai pas. Dans les trinkets, qu'est-ce qu'on a en rune? 10% de durée de gel, ouais. Eh bien, c'est ça qu'il me faut, moi. C'est ma rune équipée. 25% d'ébranlement et les capacités de durée. Hop. C'est quoi ça? Dégâts d'armes, d'attaque finale, agile et chargé. Je crois que c'est celui que j'ai équipé aussi, celui-là. Mais je suis pas encore niveau 2, j'y ai pas accès. Ils vendent quoi? Ils vendent des cristaux contre de la thune. Oh putain, 10 cristaux pour 225 de thune, c'est cher. Cadeau, ça par contre, je prends, toujours prêt. Et de toute façon, la déco, on a dit qu'on s'en foutait. Est-ce que j'ai des objets de valeur à vendre? Oui, j'ai un peu d'objets de valeur à vendre. Est-ce que c'est assez pour monter la puissance? Non, pas assez. Hop, nous on a récupéré un peu de sous. Allez, on y retourne. Du coup, où que c'est qu'il faut qu'on va? À droite tout a priori. Donc là j'ai une porte, je sais pas si elle est verrouillée ou pas. A priori j'y suis déjà allé là-bas, c'est bizarre, j'ai laissé un coffre. On reprendra
trésor à proximité. Celui qui est en face, mais il a l'air d'être verrouillé, mécanisme simple. On va juste aller voir pour ce coffre-là. Qu'est-ce qu'il vend, lui? Ne touchez pas au trésor. Ouais, il vend de la décoration et de l'apparence. Ok. Rien de bien intéressant. Oui, là il y a un gros coffre là-haut auquel je n'ai pas encore accès. Parce qu'il doit falloir pouvoir casser la chaîne. Et j'ai pas encore le personnage pour ça. Ok. Bon, et ben en route. L'âne Valenim devra avoir une entrée par ici. Le passage est caché par une sculpture mur. De Venatori. Ah oui, direct. Qu'est-ce qu'ils font si proche de la boutique? Là, c'est la sculpture murale dont tu parlais? Oui, c'est ça. Il y a un interrupteur derrière la tête du serpent, à gauche. Ah, il y a un coffre que j'ai pas ouvert surtout. Hop. Tiens, pas de loot dans celui-là. Compris. Alors, nous allons dans l'Âne Valenim. Je sais pas ce que c'est, mais on y va. Il y a des trucs qui font des drôles de bruit là. J'aime pas trop ce que j'entends. Bon, pour un déjeuner gratuit. C'est bon, on peut passer maintenant. J'ai de l'enclin sur moi. Tuons ces rats de dragon de l'ombre. Que je puisse quitter cet endroit. Vous on arrive. Par ici. Attrapez-les. Cherchez des renforts. Des renforts. Faut pas les laisser atteindre le repère des dragons de l'ombre. Encore des Venatori. On se concentre sur leur capitaine. Ces engeances et les Venatori étaient dans le même camp. Je sais. Ils sont même un peu débiles en fait. Au moins, les dragons devraient pouvoir à nouveau utiliser cette entrée sans danger. Trouvons-la pour leur dire de l'ouvrir. Alors, chapeau double de Karast. Oui, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est ceux qui vendent chez les... chez les dragons de l'ombre. Ah ! Éclat sanguinaire. 20% de dégâts de saignement. Dégâts contre les adversaires subissant saignement. 25% de durée de saignement. Pour l'instant, j'inflige pas de saignement. Mais... on y songera. Est-ce que j'ai raté des trucs là? Non, juste une potion de soin. Ah si, il y a du bouquin. Pièce mystérieuse. C'est bien mystérieux tout ça. Ah, ah, ah. Pardon. J'ai rien raté d'autre. Alors. Alors, aubaine de magister. Ah bah voilà. Mon amulette est passée en épique. Un petit raccourci. Un petit peu de connaissance de vie. La voilà, l'entrée cachée qui mène à la boutique. C'est Rook, la voie est libre ici. Je vais ouvrir la porte. D'accord.
C'est déjà fini? Comment les Venatori ont pu trouver le repère des dragons de l'ombre? C'est pas un secret? On aide les gens des docks. Ils savent où on est. Quelqu'un a pu parler de la boutique. Les gens qui tiennent pas leur langue, c'est facile à gérer. Mais les engences, c'est pas pareil. On vous en doit une, Rook. Ces engences allaient nous tuer. C'était pas juste des engences. Il y avait aussi des Venatori, et ils se battaient pas entre eux. Comment c'est possible? Les engences s'attaquent à tout ce qui est vivant. Les engences sont viciées. Si les dieux contrôlent l'enclin, il est possible qu'ils contrôlent les engences. Essayons de ne pas tirer de conclusion tant qu'on n'a pas plus de réponses. Si vous cherchez des réponses à propos des Venatori, j'ai peut-être une piste. Un entrepôt, de l'autre côté de la ville. Ça grouille d'activité du culte. Et plusieurs cultistes se dirigeaient vers la boutique. Ça peut être une coïncidence ou quelque chose de plus grave. Ça vaut le coup d'aller voir. Je suis d'accord. Rook, on y va. Et ben en avant, Guingamp. Sur les quais demain. Alors, où c'est qu'il faut qu'on va? Ascenseur. D'accord. Ça manque de points de téléportation ici. Autant il y en a des tonnes à Treviso. Ici, j'en ai pas trouvé un seul. Alors c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore débloqué... C'est vrai qu'à Treviso, il nous avait débloqué... La vipère ou Ashur, c'est le chef des dragons de l'ombre ? Il nous avait indiqué effectivement qu'on avait débloqué... Des esclaves et en soutenant leur rébellion. L'exploration donc, de Treviso. Le vrai nom de la vipère, c'est Ashur ? C'est l'un de ses noms. Il se fait appeler la vipère pour les premières impressions. C'est ce qu'il dit. Comment ça ? Ashur, ça n'a pas autant d'impact, tu trouves pas ? 5% de dégâts à distance, 15% de points faibles, 20% de coût d'utilisation des capacités à distance. Ouais, mais les dégâts sont quand même nettement plus faibles. Et ça, on a dit que... Bon. Merci ça pourrait beaucoup. Être bien quand on aura plus de réputation auprès des dragons. C'est vrai qu'on a débloqué l'ascenseur. On retourne sur les docks. Alors. On s'approche. Ah, un cristal. J'ai un cristal est cassé. Ouh! Mais il y a du monde! Cette fois-ci, c'est pas fait. Ok. De toute façon, normalement, tout ça, c'est déjà exploré. Mais il y a toujours un cristal là-bas. Une barrière qui m'empêchait de passer. Elle est plus protégée. Quand tu veux. Continuez à avancer avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Ah si, tant, je crois que j'ai gagné un niveau, moi. Alors, j'ai toujours pas assez. Les frappes canalisées, je m'en sers pas. Ça, par contre, ça peut être pas mal. Les adversaires souffrant d'affliction, j'en ai quand même pas mal.
vu tout ce que j'applique, et 20% d'ébranlement en plus sur ces adversaires-là. Comment ça, les compétences peuvent pas être... Je suis plus en combat, là, arrête un peu. Plus personne, ils sont tous morts. Voilà. Il y a un coffre par là que j'ai raté. Une barrière, merci. Est-ce qu'il serait en haut? C'est possible, mais ça m'étonne que je l'ai raté la première fois. J'ai déjà exploré cette zone. Beaucoup de Venatori. On doit être... On en a fini avec les gardes Venatori. C'est juste qu'effectivement, cette porte elle était pas ouverte la dernière fois. Cette trappe elle était pas ouverte. Génial. Les Venatori manigancent quelque chose. Faut arrêter ça. Je crois que c'était le but de la manœuvre, hein, de toute façon. Anneau de fumée. En bleu. Dégâts de froid, résistance au froid. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres emplacements. Ils invoquent des engeances. Comment ? Commençons par les arrêter, on verra ensuite. On va ouvrir la porte. C'est le moment de combattre. Pas dans ma vie. Allez. Faisons le ménage. On a fini avec les engences et les Venatori. On fouille cette cuillère de rapidité. Oui, mais celui-là, il me le proposait déjà chez le marchand des dragons de l'ombre. Couvre-chef d'ombre et de lumière. Dégâts d'édonation. Oui, c'est ça, c'est pareil. Ça, c'est aussi un truc qu'il me proposait chez les dragons de l'ombre. Ça, à mon avis, c'est par là qu'il faut aller. Chevalier capitaine Lenos, nous sommes bénis de pouvoir compter sur un ami aussi loyal que vous. Continuez à nous servir et vous serez largement récompensé pour la gloire et la renaissance de Tevinitaire. Cette note. Le chevalier capitaine Lenos des Templiers de Minrati est soudoyé par les Venatori. Oh, ça, c'est étonnant. Les dragons de l'ombre nous observent, ne les laissez pas s'approcher. L'emplacement précis de leur repère est inconnu, mais ils utilisent les catacombes, envoyer des engeances pour les éradiquer. Ça explique les engeances qu'on trouve sans arrêt dans les catacombes. Au moins, ils ignorent où se trouvent les dragons de l'ombre. Pour l'instant. Regardez ce truc. Ça mène dans les tunnels sous la ville, non? Encore un moyen pour les Venatori de diffuser l'enclin dans nos tunnels. J'en parlerai aux autres dragons. Il y a encore un truc à découvrir. Ah oui. Elgarnan nous a béni d'un savoir ancien, la relique qui nous permet de contrôler les engeances par leur sang vicié. Utilisez-la pour détruire nos ennemis, en son nom. Ci-dessous les instructions d'un rituel magique pour utiliser le pouvoir de la relique. Les dieux ont donné une relique aux Venatori qu'ils utilisent pour contrôler les engeances. Hein ? Hey Rook, tout va bien ? Rook. Je voulais savoir si vous aviez besoin d'aide. C'est gentil, mais c'est un peu tard. Venatori, cessez de laisser le passage sur le toit ouvert, ça fait un courant d'air.
D'accord, parce que j'imagine, en fait, on n'a pas regardé, mais je pense que la porte était verrouillée, et que, de toute façon, il fallait passer par le toit. Voilà. Et à vouloir explorer en permanence, du coup, vous avez des fois, on avance pas exprès. Les dieux affranchis ont appris aux Venatori à contrôler les engences. Ça explique pourquoi le repère a été attaqué. On a trouvé des documents du chevalier capitaine. Je savais bien qu'il était pas net, mais pas que c'était un Venatori. On retourne à la boutique, on fera le point là-bas. On a réussi à attraper des retardataires qui fuyaient l'entrepôt. Ils réfléchiront à deux fois avant de revenir ici. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre ? Les Venatori servaient le Garnan et Killanan comme on le pensait. Ils ont donné au culte le pouvoir de contrôler les engences. Génial. On dirait que les Venatori vont être encore plus pénibles. Est-ce que je peux me rendre utile ? Les dieux affranchis sont aussi ma responsabilité. Comment savoir si on peut te faire confiance ? Tu n'es pas d'ici. Tu ne connais pas Minrati aussi bien que nous. Et nous en savons aussi peu sur toi que sur les dieux affranchis que tu as libérés. Allons, allons, quel est le proverbe déjà ? L'ennemi de mon ennemi est mon ami ? Le culte est très ancré dans la ville. Des soutiens Venatori siègent au Magisterium et désormais, ils exercent un pouvoir qui leur a été donné par des dieux. Nous allons devoir nous entendre si nous voulons survivre à ça. C'est qui, elle ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'avais promis de rester caché. J'ai essayé, mais ça m'a pas trop plu. J'espère que vous êtes venu nous aider, parce qu'on en a bien besoin. Rook travaille avec nous. Mae Varys est l'une des chefs des Dragons de l'Ombre. Mae Varys Tilani, précédemment Magister Mae Varys Tilani, à votre service. Attendez, précédemment ? Mes ennemis ont conspiré pour me faire retirer mon siège de Magister. On en reparlera plus tard, si vous voulez. Mes problèmes semblent bien ridicules face à des dieux affranchis. Les Dragons de l'Ombre ont beaucoup de choses à se dire, mais vous, Rook, vous devez vous rendre au signe. Moi ? Au signe Lardé ? Pourquoi ? Le Haut Commandeur veut vous parler. Le Haut Commandeur ? J'espère qu'on va recevoir un peu d'aide pour l'enclin. Revenez quand vous pouvez. Je pense que nous aurons besoin de votre aide. Ils ont lardé le signe noir. Oh ! Sacrilège. Alors, les ombres de Minrati, les Venatori servent les dieux affranchis. En retour, ceux-ci ont octroyé aux cultistes une magie leur permettant de contrôler les engences. L'influence et la puissance du culte se répandent et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Minrati, ni pour le reste de Tedas. Je me rappelle le chevalier capitaine avant les noces. Il essayait vraiment d'aider les gens, et il s'est fait des ennemis. Ah, ça y est, on peut explorer les docks. Bon, et bien on va partir pour une petite phase d'exploration. Un niveau supplémentaire. Alors, d'ailleurs j'en suis où au niveau équipement ? J'ai un équipement des corbeaux et une armure des mandataires. Donc normalement je devrais pouvoir faire proc ce bonus. Si j'ai un type différent de couvre-chef et d'armure. Si je comprends bien c'est ça. Il faut que ça soit des armures de factions différentes. Dégâts au point faible plus 15%, moins 20% en mana des attaques à distance et 20% de régénération de mana. Des bonus quand même plutôt sympathiques. La résistance électrique et nécrotique, pour l'instant j'en ai pas beaucoup besoin, c'est quand même énormément de physique qui m'afflige. J'ai pas beaucoup d'avantages de toute façon, enfin j'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup d'avantages. Dégâts des coups suprêmes plus 15%, ça peut être pas mal, mais durée d'avantage 20% c'est pareil, pas très utile non plus. Dégâts contre les adversaires subissent en gel. Les adversaires qui vous affligent des dégâts subissent engourdissement. Ça par contre c'est pas mal. Ça c'est pas dégueu non plus. Mais le problème c'est que ça m'oblige à aller chercher le cône de givre. J'ai pas spécialement envie. Bourrasque obscur fait détonation. Ah, ça peut me permettre d'avoir une détonation des cibles vissurées. Ça peut être bien ça. Ça coûte pas de mana, mais ça a 60 secondes de temps de recharge. Bon, ça applique engourdissement, mais déjà quand tu commences à faire détonner une cible, qu'elle ait engourdissement ou pas, en général elle est quand même déjà un peu moins fraîche après. À ça par contre ça peut être pas mal. Effectuer un coup suprême octroie arme choquante, et le fait d'avoir arme choquante,
Ça augmente les dégâts d'ébranlement subis, donc encore plus de facilité à faire des attaques suprêmes. Ouais, ça pourrait être sympa éventuellement à aller chercher. Qu'un couvre-chef léger, une armure légère, taux de recharge d'énergie du bâton 20%, portée d'attaque de l'énergie du bâton plus 2. Ouais, ça c'est pas très très clair comme on n'a pas de précision spécialement contre... Alors plus 20% de dégâts contre l'armure, ça peut être pas mal aussi. Là qu'est-ce qu'il me propose en passif ? Améliore les capacités de projectiles. Capacité de projectile inflige 75% de dégâts supplémentaires contre les barrières. Ouais. Capacité de contrôle inflige 150% de dégâts supplémentaires dans un rayon de 6 mètres lors de l'activation. Le type de capacité correspond au type de dégâts correspond au type de capacité. Ok. Capacité de projectile toujours. Oui, ça c'est un projectile, d'accord. Lance un projectile supplémentaire, d'accord. Et. Capacité de contrôle, on se fait un cumul supplémentaire pour toutes les afflictions actives sur les cibles ennemies touchées par des capacités de contrôle. Ok, volée de projectiles, ça fait quoi? Appuyez sur clic gauche quand le projectile est tiré depuis clic gauche. Faites suivre clic gauche en appuyant en haut sur clic gauche tandis que le projectile est tiré par votre bâton pour générer un projectile supplémentaire avec les mêmes propriétés. C'est pas très clair. C'est quoi? C'est des attaques timées qui permettent de balancer plusieurs projectiles? C'est pas expliqué de manière très très claire. Ça peut être pas mal aussi ça. 10% de résistance aux dégâts de chaque capacité assignée. Donc là, comme actuellement, j'ai du feu, du froid. Et du nécrotique, ça me ferait 10% de résistance à ces trois capacités. C'est pas mal. Capacité de 15% de dégâts supplémentaires selon le type de dégâts infligés par vos bâtons ou vos orbes. Mais je pense qu'on va plutôt aller chercher. Alors, ça, je m'en fous un peu, même si avec la Nova de Givre, j'en inflige un peu. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ça, le dégât contre l'armure. Et ça, surtout. C'est ça qu'il faut que j'aille chercher. Ça me permet d'infliger encore plus d'ébranlement et donc encore plus de coups suprêmes. Allez, on part là-dessus. Équipe, qui c'est? J'ai Lucanis qui est passé niveau 4. Et ben on va prendre durée de fissure. Et c'est quoi? Il applique régénération. Ben du coup on va booster ça un peu, ça sera pas mal. Et Nev qui est passé niveau 4 également. Alors, brise glace tire 2 projectiles. Ou lors d'une détonation, inflige 100% d'ébranlement supplémentaire. On va plutôt partir là-dessus. Elle, par contre, son soin ne m'intéresse pas. Oh! Ah bah, le déclenchement automatique des capacités, ça j'aime bien. Hop, marge glaciale, c'est quoi? C'est le... En un projectile unique et fiche ses adversaires. Applique engourdissement et affaiblissement. Ok, toujours ça de prix. Personnage, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Des anneaux. Oui, donc j'ai un anneau bleu de dégâts au froid. Ouais. Et dégâts de saignement. Comme je n'afflige ni dégâts de froid ni dégâts de saignement, ça m'aide pas beaucoup. Celle-là, on m'a dit qu'elle était pas folle. Et le couvre-chef, c'est pareil, les deux sont pas terribles. Bibliothèque, hop, tout marqué comme lu. Carte du coup. Oula. Ah oui, donc ça y est, je peux enfin explorer. Oui, donc j'ai une balise non découverte. Il paraît qu'on est là pour gérer quand là. On va juste regarder. Bon, on est à un peu plus d'une heure d'épisode. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode YouTube. Je pense que le prochain épisode sera consacré à l'exploration des docks de Minrati. Et je vous dis à bientôt pour le prochain. Allez, des bisous, ciao.